Salut la gang, bienvenue à Matamec en ce jeudi le 2 janvier 2014. Très beau soleil, pas un nuage, très peu de vent, moins 28, journée parfaite pour tenter de décoller à Lièvre. Je vais faire un enclos, je vais vous montrer comment que je fais ça. Vous allez voir, c'est rien de très compliqué. Fait que c'est ça, je vais vous montrer ce qu'il y a, la place que j'ai choisie. L'enclos, c'est ça. La construction de l'enclos est pas mal finie. Il reste à poser des collets et puis à mettre notre appât. Ah, ça, c'est des crottes de gu. Il y en a partout, c'est pas compliqué. Une entrée pour un collet. Moi, dans le fond, je fais mes enclos en carré. Puis je mets un collet par côté. Pas plus que ça. C'est pas nécessaire d'en mettre plus. L'appât qui va aller au centre, ça va attirer les lièvres. Puis les lièvres, eux autres, ils se casseront pas la tête. Là, ils vont passer par le chemin le plus évident. Bouh! Et c'est comme ça que ça se fait. Bon, l'enclos est terminé. Je vais vous montrer de quoi ça a de l'air final. Hein? Recule un petit peu. C'est rien qu'un maudit paquet de branches dans le fond de tout ça. Là. Il n'y a rien d'extraordinaire. Il y a un collet là. Il y en a trois autres. Ça donne rien d'en mettre 10. Je vais vous montrer l'appât. En masse, en masse, en masse. Ça va durer un bon bout, ça. Et un autre là. Là, il reste à retourner au chalet. On va se rentrer du bois. Préparer un bon souper de saucisses et de légumes.
conclut la journée d'aujourd'hui. Je vais essayer de tourner une vidéo, mais que je revienne voir pour voir si on a des récoltes. À la prochaine. Eh bien, bon matin. C'est encore parti pour une journée splendide à Matamec. Il fait moins 20, puis on a un bon petit vent du nord-ouest. Ouest-nord-ouest, en réalité, peu importe. C'est ça, c'est une belle journée qui s'annonce en forêt. On va aller voir l'enclos, les quatre collets que j'ai tendus avant-hier. Puis possiblement, dans le cours de la journée, je vais embarquer sur mon bon vieux toundra, puis je vais aller peut-être attendre un ou deux autres enclos. On verra bien. J'ai bien hâte de voir. Je n'ai rien dit. Oh, dans le premier collet, il n'y a rien. 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 Comme on dit en anglais, jack shit. On n'a rien. C'est pas grave. Je dois avouer que j'étais un peu surpris. Je pensais que ça allait récolter plus vite que ça. Mais c'est comme je disais tantôt au chalet, on sait jamais en forêt. Puis c'est un peu ça qui rend ça intéressant. Salut la gang, lundi le 13 janvier. Super belle journée, il fait moins 10, il fait chaud, ça fait du bien. Après une semaine de météo exécrable, j'ai des choses intéressantes à vous montrer. Oui, monsieur. Je m'en doutais. Je savais que ça allait finir par récolter. Mais pas deux dans le même enclos. Oh non, ça, c'est la première fois que ça m'arrive. Hey, je suis content en tabarouette. On va manger du bon lit à frais bientôt. Bon, ben moi, c'est pas compliqué. Je retourne au chalet. Puis, je vais aller me faire un autre enclos avec le toundra. Fait que, à tantôt. C'est tout que ça se passe. Plein de crottes, plein de traces. Ce qui arrive, c'est que j'ai coupé des... il y a deux semaines, trois semaines, j'ai coupé ces branches-là. Les branches de bouleau garnies avec des bourgeons. Puis, imaginez-vous, les lièvres ont trouvé ça. Puis, il y a des crottes puis des traces partout, partout, partout. Ah, il y a des centaines et des centaines de crottes. Regarde ça. On va se mettre une deuxième enclos, puis ça va sûrement augmenter nos chances de réussite. Hein?
À plus. Bon, l'enclos numéro 2 est terminé, tcha. Même principe. Sauf que cette fois-là, j'ai mis 5 collets au lieu de 4. Pourquoi? Parce que ça me tentait. De la peau à masse. J'aime ça quand il y a de la peau. J'ai rajouté des crottes de lièvre. Ça va peut-être inciter les lièvres à travailler l'enclos un petit peu plus. Je ne sais pas, j'ai jamais essayé. C'est le temps de retourner au chalet, se faire une bonne petite bouffe, prendre une petite bière frette, hein? Fait que moi, je vous dis à demain, mais qu'on vienne voir ça, cet enclos-là. Ciao! Hey, one, boy, hey, one, boy, hey, one, boy.